Il a pas demandé dans le pays pour docteur Gary Conille faire tout effort qu'il capable pour pacifier Haïti. Éradiquer nèg k'ap vann zam k'ap vann balyo. Et puis touye gang a sa pat k'ap touye moun nan peyi a. Voilà, nous pral aller nan zafè et alors nan diplomatie haïtienne nan. Et tout d'abord m'a salué et arrivé jeune demoiselle ça, jeune madame et 34 l'année, jeune haïtienne qui c'est madame Dominique Dupuis et qui fait qu'a font travail dans diplomatie là que moi personnellement déjà bat bravo pour lui. Jeune dame ça c'est yon capoise que n'a regardé sur écran cap nettoyer diplomatie haïtienne et me demandel pour que non haïtien qui vit en Dominicanie me demandel ça parce que moi même son haïtien qui vit en Dominicanie tout moi comme ça m'a dit hein m'pas parler pour l'autre consulat ici Haïti gain dans l'autre pays même parler pour la République Dominicaine en général consulat d'Haïti Dahabong consulat d'Haïti Santiago de los Caballeros consulat d'Haïti capitale Santo Domingo consulat d'Haïti Higüey consulat d'Haïti La Romana c'est tout consul ça que Haïti gagne en Dominicanie qui pas utile pays d'Haïti rien puis tout pas gagner moi mandé madame Dominique Dupuis pour lui rappeler tout monde ça honnête qu'on est en Dominicanie tout net rappelez tout le monde ça qui consulte d'Haïti en Dominicanie. Mettez de nouvelles têtes. Mettez de nouvelles têtes qui pas que politiciens pas mettez. Choisis des monde qu'on connaît. Qui peut-être fait diplomatie ensemble avec qu'on connaît qui compétent. Qui pas peur et qui pas peur défendre la Dominicanie, qui pas envie rester vivre en Dominicanie. M'a demandé pour révoquer. Et puis c'est haïtien. Gang vicieux volé que politiciens te mette dans diplomatie haïtienne en Dominicani. Rappelez tout ce qu'on est. Tout volé ça yon pas été payé rien. Depuis c'est volé Ariel te mette l'autre bord. Surtout pour ça que Santiago a, on sent honte. Qui pas gagné l'utile l'autre bord. Révoquez volé ya. Ok? Révoquez volé ça. T'es un jeune garçon qui de Santiago avant ça. Et qui par elle l'a humilié monsieur. Ou est monsieur ou capable de sauver les délits? Son qui remet Bouta Fiali, Tibogamni, tout le monde remet ça. Tout le monde remet Gautio. Mais ou est monsieur de plus présent, bon côté communauté haïtienne, dans Santiago de los Caballeros. Ou ka tourne avec jeune ça. Ou bien tout ce qui est de l'autre, ou ka tourne avec elle. Mais comme monsieur dans Caraïbe, comment il est comme pas songer le nom? Ancien et consul, comment il est Haïti, Santiago, oui. Comment monsieur il est encore? Pas songer le nom. Moi-même, de vivre au bout de Santiago, de ouais monsieur dans la communauté. C'est monsieur qui était plus présent pour haïtien dans Santiago. Pour moi-même. Ou qu'a tourné avec jeune ça. OK? Ou qu'a tourné avec jeune ça Santiago parce que c'est l'équipe Ariel qui a retiré monsieur l'autre bois. Pour te mettre nèg politique pa yo qui ou vle. Nous qu'a tourné avec jeune ça Santiago. Parce que demi monde n'a pas utile et c'est que l'autre tout que me pas connait nous qu'a tourné avec yo. Mettez de nouvelles têtes. OK, moun ke ki bagay l'ont révoqué nan consulat Santiago met ton paquet l'autre moun. Ba ou l'agence on parle so pa le travail, al passe ou moun sa pou nou, tout personnel yo. Gon paquet moun ki nèg yo bay, yon paquet l'argent ki pa jam travay. Mais moun ki te la depuis des années nan consulat, personnel yo tap travay sécurité, nèg yo te révoqué. Gon jeune gars sou ka fè sécurité l'autre bois nèg yo révoqué. Ou ancien policier haïtien, nèg yo révoqué l'autre bois. Faut que nous ta réintégrer monsieur nèg coupe chaque monsieur, c'est méchant stélié. Vous comprenez? C'est méchant stélié. Et puis pour chaque groupe volé qui vient avec groupe volé par yo. Faut que nous gardions moun ki propre. Moun ki propre, moun ki compétent pour nous mettre dans diplomatie. C'est important pour que nous fassions ça yo. Et c'est important. OK? Pour que nous fassions passer meilleur dans diplomatie haïtienne.
Madame Dominique Dupuy t'es participé dans l'Assemblée générale de l'OEA et c'était hier, si je ne me trompe pas, l'effet de déclaration, nous allons attendre jeune et dame nan, qui c'est Madame et Dupuy, nous allons attendre lui et déclaration qu'il fait dans l'occasion ça. En attendant, Madame Dominique avec un pile d'intérêt et puis nous tourner par la suite. Pour commentaire et avancer avec presse programmation. Madame Dominique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général Adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres et Chefs de Délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants Permanents des États membres, Excellences, Mesdames et Messieurs les Représentants des Observateurs Permanents, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur que je vous adresse les salutations les plus cordiales de leur excellence, les membres du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti, présidé par M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que celle du Premier ministre, le Dr Gary Conille. En leur nom, je vous transmets les vœux de succès et de pleine réussite pour les travaux de cette 54e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je félicite chaleureusement le secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, pour l'organisation remarquable de cette session. Monsieur le Président de la République du Paraguay, Su Excelencia Santiago Peña, je vous remercie de nous avoir accueillis à Asunción, ville au passé riche et qui, comme Port-au-Prince, porte encore les empreintes d'une histoire universelle. Votre pays, comme le mien, a été un carrefour de rencontres violentes des civilisations. Et ce matin, il est un point de convergence prometteur entre les peuples des Amériques. La République d'Haïti, ce bout d'île magique au nom duquel je parle, est le foyer de l'intestelle de la liberté pour tous, le berceau de la dignité pour tous. Dans l'épopée de ce continent américain qui nous unit, chaque recoin témoigne encore de la contribution haïtienne, raconte encore la vision et le courage de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices qui ont rêvé puis réalisé l'impossible. Si notre parcours a depuis été jonché de pages plus sombres, Haïti est encore et toujours prête à participer à la construction de notre avenir commun, ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre à un niveau ou à un autre à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale, il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région, et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs, encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration. Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livré à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ses secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se devine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le ballet des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfois, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés
à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élection pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence. Conscient que tous nos pays sont en proie au fléau de la criminalité transnationale qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'attellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays. Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état de traumatisme aigu qui mine chaque Haïtienne, chaque Haïtien. Confronté à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil a longtemps semblé être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portant, malgré nous, le poids de pertes indicibles, pertes de l'enfance, pertes de l'innocence, pertes d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, pertes de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient, à l'ère où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viol et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescentes devenues mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle. Un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu. Conscient des pertes majeures encaissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous proposer des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se heurter au danger des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois,
il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti. C'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées. Tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape, nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra America de José Martí, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressé à nos voisins de la région. Elle représente une invitation, une main tendue aux combites, cette chaîne traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionale. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti décidée à être à nouveau forte, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mis au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité. Chers voisins, arrivés d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile mais tangible de toute la population haïtienne qui aspire à transformer l'espérance en nouveau dénominateur commun, décidé à réaliser l'impossible encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence est et sera toujours un acte de résistance, un pied de nez à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, altiers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple, comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci, merci en pile, Aïe Bobo. Aïe Bobo, Madame Dominique Dupuis. Alors, nous saluons pour le discours. Hein? Nous avons des appels qu'on fait avec tous ces amis que nous avons dans la région. Hein? Nos amis, qui dit aux amis? Des amis hypocrites, des amis qui ont fait capital politique et diplomatique sous nous. Mais espérons que je dis, ou continuer. Et nous encourageons à continuer sous même lancer ça. D'accord? C'est très intéressant pour nous parce que nous sentons que quelque part, la diplomatie haïtienne est envie bouger avec arriver ou comme et nouvelle tête, notre tête ministère et des affaires étrangères et des cultes en même temps. Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Et m'a dit ou bravo. Et m'a dit que nous prenons acte, oui, nous prenons acte de toute nomination que nous avons fait dans le consulat Haïti, de tous côtés. En Dominicanie, nous demandons pour rappeler tout voyou, tout volé, tout vicieux, tout corrompu, tout incompétent, alors qui soi-disant représente Haïti Dominicanie, rappeler tout pour nous, mettez de nouvelles têtes ou estimez qui compétent. D'accord? Ou ge quatre blanches ça dans mon, mettez des moun qui compétent. Choisis moun ko estime qui compétent. C'est pas moun qui pou voye au ba ou. C'est ou qui pou cherche konnen qui est compétent. Moun qui t'a travaillé dans diplomatie ya, si ça te personnel, ou senti li gen capacité ou capable monter le comme représentant metel. C'est extrêmement important. Madame Dominique Dupuis. Moi-même avec arrivé ou même dans tête ministère de alors des affaires étrangères nous wèw comme une porte qui l'ouvrit pour la jeunesse haïtienne capable rentrer et alors bataille pour que yo prépare tête yo pour capable pas faire n'importe bagarre parce que image yo c'est image pays ya la jeunesse c'est demain pays ya jeune yo doit protéger tête yo parce que c'est eux qui doivent servir le pays. Yo. Et nous avons dit bravo avec l'équipe qui fait effort pour que
ou rivé dans tête ministère affaires étrangères là. Retirer vieux grand monde sauvage, retirer des grand monde qui incompétent, des grand monde reste avec. Mettez-vous comme jeune, son belle bagaille et son gros bagaille pour pays. Et maintenant, cherchez toutes jeunes mesdames nous, toutes belles femmes haïtiennes, faites le même avec la Dominicanie pour nous. Intégrez jeunes femmes haïtiennes, belles femmes haïtiennes, intégrez-vous dans la diplomatie haïtienne pour nous. Jeunes qui peuvent voler, que politiciens pas de guetant, comme si nous avons maltraité, prenez-vous, mettez-vous dans la diplomatie pour nous. Sous base, compétence. Et ça qui est important pour nous. Faut m'en très, très pointu. Parce qu'avec nous-mêmes, nous sentons que quelque part, la diplomatie haïtienne, justement, pral bouger. Elle commence à bouger. Il y a un signal qui commence à voyer. Et nous disons, continuez. Passez dans la diplomatie pour nous. Parce que les malades dans tout col. Parce que l'image Haïti doit laver. Pendant quoi faire, il faut quoi faire. Et nous demandons dans le pays. Pour le docteur Gary Koni fait tout effort qu'il est capable pour pacifier Haïti. Éradiquer les gens qui vendent des armes, qui vendent des balles. Et puis tout le monde qui vendent des armes, tout le monde dans le pays. Période. Et puis après, c'est Haïti qui va laver. Vous comprenez? Après, c'est Haïti qui va laver. On nous prend engagement, non? Et j'aime dire, c'est nous tous qui vous mettez main. Et nous demandons, Madame Dominique, pour faire tout ça qu'il est capable pour nous, faites tout effort qu'il est capable. Rend passeport très facile, même gens. En Dominique, j'ai un passeport facile, le passeport perdu, États-Unis. Même gens, en Canada, j'ai un passeport facile, le passeport perdu, États-Unis. Les gens qui rentrent à l'ambassade, ils font des mains de passeport, et puis rapide, vite, ils sortent à passeport. Ou bien, ils sont capables de faire des mains de online, et puis ils voient le pour l'inadresse. OK? N'a pas demandé, Madame Dominique Dupuis. Créons condition pour nous. Même gens haïtiens, remplis un papier, un document, États-Unis, online, la Kaili. Yo voye pour l'inadestine dans mosquée 8 jours. Fais ça pour nous. Fais ça pour Haïtien qui vivent États-Unis. Yo. Le yon passeport qui perdu. Fais yon capable de monter sur le site ambassade d'Haïti à Washington pour yon faire demande passeport. Yo. Si yon si yon cellule, yon capable de créer une cellule d'urgence, moun nan capable de payer yon $30 ou $40 en plus pour jouer un passeport dans 2 jours, dans 3 jours ou fait. Mais moun nan pas besoin. Aller dans l'ambassade là pour aller produire des demandes de passeport. Non. Fais mon nom, fais l'online. Fais monter sur le site là, rempli forme non. Et puis je ne passe pas avec facilité. Et puis tout rentrer dans ça pour nous définitivement. Fais tout Haïtien en Haïti. Créez ça pour nous. Créez ça pour nous. Haïtien pas besoin de gonfler devant l'immigration. Gonfler, fait. Non. Haïtien capable de produire des demandes de passeport. Et puis là, aller. Non. Immigration, là, le fait photo. Ces photos a seulement besoin de faire. Fais le tour rempli forme non online. Madame Dominique ou très jeune, technologie en permet nous en pile bagay, en nous travaille ensemble, en nous mettre des monde qui compétents, en nous mettre des monde qui bon dans domaine technologique pour nous capable avancer et refaire système non, refaire en refaire. Comme ministre affaires étrangères ou capable. En nous mettre l'autre monde dans tête ministère alors dans tête comment est l'immigration. Bon moi immigration sous compte ministère de l'intérieur, voilà. Bon, Dr. Koni son diplomate qui est. Travaille avec Dr. Koni et sous ça, mais oui, c'est ministère de l'Intérieur, oui, qui gère les affaires passeport, exactement, ministère de l'Intérieur. M'a demandé Dr. Koni et pour que, alors, tout le monde qui là, fait message arrivé, joindre et pour le ministre, pour nous, qui c'est en même temps ministre intérieur, pour que nous gon l'autre et monde qui compétent, qui est capable de travailler au niveau immigration pour nous changer la façon que le passeport haïtien est fait là. Un haïtien, il faut qu'on site pour que haïtien monte sur ce site là, il a rempli la forme et puis il fait des demandes de passeport. Et puis il fait, il envoie un email pour lui pour que lui aller faire photo là pour faire photo. Automatiquement, il fait photo, passeport capable de faire. Ou bien, si il y a une possibilité pour lui scanner photo, voyez sous bagage là, lui scanner photo à voyer aller et puis ça rendez là, il est capable jeune passeport back. Il pas besoin de déplacer. Et m'a demandé et tout le monde qui travaille dans le domaine ça, on organiser nous pour capable rendre ça plus facile pour nous. Parce que même Jean président Jovenel Moïse t'es commencé faire lui rendre passeport facile pour haïtien. Rendre carte d'étoile là facile pour haïtien. Rendre permis de conduire facile pour haïtien. Il est important. OK, yon haïtien qui gen passe qui alors qui gen visa le rive États-Unis.
li pa par contre s'il a pas gagné Haïti par contre s'il a pas gagné alors parce mais oui il a pas gagné Haïti oui il a gagné Haïti c'est ça bon parce qu'il a pas gagné Haïti bon s'il pas gagné Haïti pour capable conduire avec Haïti s'il pas si pas Haïti Haïti en perdu ça nous capable les permis de conduire faut le capable côté il y a distance là li pour dire demande là et puis on voyer dire pour lui faut un café pour lui on nous rend bagaille ça facile on nous fait yo yo capable ça pas politique. Ça, c'est pour tout haïtien que lié. La valas PHTK, tout le monde, on met tête ensemble, on fait ça. Et m'a dit encore une fois, je dis, hein, Haïti besoin de l'autre énergie. L'autre énergie qui pour dégager. Côté que haïtien, naturellement, et tout haïtien capable d'organiser, on met tête ensemble. Pour nous voyons l'autre signal d'espoir dans le pays ça. Et m'a tout profité dit avec tout jeune qui nous gagnait en Haïti yo pas la gueko nous jeune mesdames nous yo jeune ti messieurs nous prend patience et éduquer tête nous former tête nous mettez nous disponible parce que pays nous a besoin nous entamer de l'autre bagaille pour nous vivre bien sûr parce que Haïti ça gè là il est beaucoup capable offrir aucun opportunité comme jeune. Mais il faut que des travail qui pour faire pour que le pays a naturellement pour mon voir que l'heure que vous gagnez 1000 dollars américains ont décidé pour fond bagarre ensemble avec comme business pour que pour pays a pas bloqué ou. Mais maintenant, on haïtien capable gagner 10000 dollars américains en Haïti, pays a bloqué, il va faire rien comme business avec. Il va faire rien parce qu'il pas gagner sécurité. Il va faire rien du tout. Il pas gagner sécurité. OK? Il va faire rien du tout. Mais par conséquent, ces pays ont une stabilité, une sécurité. Tout haïtien a organisé la papa. Tout le monde a arrangé pour qu'ils font un petit bagage dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde a organisé. Par exemple, moi, États-Unis. Par exemple, nous avons gagné 20 à 30 000 dollars américains, par exemple. Nous avons décidé de dire, et j'aime Dominique fait business machine, non? Son bel business. Parce que tout le monde a une petite machine. Je suis rentré dans le pays d'Haïti. Et je suis venu à la machine. Et puis pour gagner des banques finances qui sont ensemble avec moi. Pour gagner des gens qui sont dans le pays. Qui fonctionnent. Et puis ils sont venus à côté de moi. Ils ont des machines. Moi, j'ai décidé de vendre une banque finance. Pour venir financer la machine ça pour les jeunes. Depuis toutes conditions réunies. Pour les jeunes sont capables d'acheter la machine. Parce que tout Dominicain a accès pour acheter une machine. Et puis, 2000 dollars américains, la vache ton machine. Ils organisent yo pour faire le payer 200 dollars ou 150 dollars américains par mois en Haïti. Faut que les conditions qui réunissent pour un jeune qui travaille dans l'État, un jeune qui travaille dans une institution privée, qui fait un business capable d'acheter une machine, la paye la crédit. Faut que nous entrons avec le système ça dans le pays. C'est pas seul oligarque corrompu en volé ça ou seulement qui doit venir. On me dit comme si tout le monde n'a pas besoin de 10-15 000 dollars américains cash pour acheter une machine. Puis ça tout bagarre ici c'est cash. Faut que tout le monde gon banque à 40. OK, dans le pays hein. Pour organiser yo, pour qu'on ti comme qu'a rentrer, faut que nous sérieux tout. Parce que l'eau acheter machine là. OK, faut qu'on connait quoi payer, et pas craser ou craser. Et sous craser tout faut qu'on connait va continuer payer li. Et c'est on a raison qui pour faut prendre. Il faut que l'état couvre moun ça qui a fait business là. Faut que l'état protège l, faut que l'état mette des lois là ou connait que ou fait de respecter ou pas les payer, ou fout maro. Si on 15 ans prison à foutre, on 15 ans prison, pour la, il faut payer comme là. Il faut organiser. Parce que faut que nous mettez des lois. Il faut nous mettre des lois pour nous protéger les gens qui ont fait business dans le pays. Mais ça pour le fait, il faut que nous retirions voleurs, kidnappés, assassins qu'on n'a pas le maillot. Vous comprenez? Parce que je dis, il faut payer, offrir aux jeunes haïtiens une opportunité. OK? Haïtiens capables de vivre dans le pays. Il faut nous offrir l'autre possibilité pour venir faire business dans le pays. C'est pas seul groupe voleur qui doit rester là pour faire millions seulement. Il faut qu'il y ait de l'autre monde qui peut venir, qui peut jouer un bon genre loi pour qu'il soit capable d'organiser pour aider le pays et pour l'autre étape. Nous sommes capables d'aider le pays à sortir. Tout Haïti est capable. Haïti est capable de vivre dans la diaspora. Qui est capable de rentrer en Haïti là, papa? Et puis regarder comment l'arrière et comment l'environnement est. Au cap Haïti, les gars, ils vont dire les machines. Ils ont 200 machines pour vendre.
Quand ici met ensemble la papa, ou vont dire les machines tout neuf la papa. Y a une machine. Et puis pour l'état tout mettre au balise, pour dire machine mais qui a une machine qui a rentré. Les machines ont 6 ans de service, il pas qu'à rentrer. C'est 5 ans qu'on doit rentrer. Mais tout jeune a rentré et n'a acheté machine même via Dominicain, vendre machine. Et puis pour l'état commencer faire ou tout pour machine jeune côté pour rouler. Pays a besoin de 4000 km route, Jovenel Moïse te commencer oui, faut gagner une politique pour que gagner bon gens infrastructure ou tu dans pays hein. Bon gens développement durable. OK? Parce que nous pas un pays comme si nous quittait n'importe vagabond vienne la rancer. Non, faut gagner bon gens politique qui pour faire dans pays ça pour nous capable aider pays à sortir naturellement et dans ça que le nouvelle là. Parce que bataille là me dit nous pas facile, mais c'est nous tous qui pour mettre main pour nous aider pays à sortir l'entrou difficile effectivement qu'il trouvait là. La bataille intégration la jeunesse et dans institution l'état yo son belle bagaille. Madame Dominique Dupuy ou c'est meilleur monde qui pour intégrer pile jeune qui compétent dans diplomatie a fait d'autres sac technicien ou yo capable de et commencer et comme si on a dû informatiser système là, vous comprenez moi, utiliser technologie pour nous rendre toute bagaille facile même j'ai le fait tout l'autre pays à nous faire. OK, laver image pays a déblosa qui fait la diplomatie, on regarde comment pour nous laver image ça pour opter image Haïti. OK, il est important parce que nous pas quitter pays là, nous pas quitter Haïti là, faut que nous j'aime dire là continuer bataille parce que j'aime toujours dire c'est dans bataille nous capable retirer Haïti là trop difficile effectivement qu'elle trouvé là combat pas facile responsabilité rete responsabilité engagement rete engagement moi même m'a dit nous clairement nous doué bataille pour nous permettre que Haïti sorti l'entre difficile effectivement que li trouvé là et on nous continuer prendre engagement on nous continuer prendre responsabilité on nous continuer bataille pour nous garder comment d'aller des pays nous sorti l'en ça que il trouvé là pour le moment et voilà gain dossier ça li a fait la une là dossier 300 000 TPS pour haïtien 300 000 TPS pour haïtien aux États-Unis d'Amérique c'est un gros cocaine chain et un gros cocaine chain capable de décision que administration Biden n'en prend pour aider et pour aider moun et qui naturellement t'es illégal aux États-Unis d'Amérique tout haïtien 300 000 TPS pour haïtien. Et là, on pas connaît qui ça qui caché derrière ça, mais sauf que nous, TPS là, et parce que c'est un gros et palier pour que pour monde qui n'a Biden yo, qui peut changer statut, qui peut connaître ça au bras le fait, avec après 2 ans Biden là, eh ben TPS là, son autre bagaille. Alors, bien croire que li pas gratis. Bien quoi le pape gratis, ça veut dire que gon l'argent qui pral brasser là. Imaginez ou pral changer statut, ça veut dire qu'on pral réappliquer pour un 4. Par exemple, si on t'a dit chaque moun ça honnête, y a taxé yo $500. Un exemple, on nous dit $500 par tête. Un exemple même prend. Bon, on connaît combien moun capable appliquer pour TPS. Par contre combien cob qui lié. Peut-être que nous capables et chercher qu'on est non alors haïtien qui spécialisé dans domaine ça même qui connaît vraiment loi sur immigration connaît toute bagaille honnête nous capables tendre mais un autre petit exemple ça c'est ma même si par exemple pour tout le monde qui va l'appliquer quatre travail puis dans statut ça nous relève TPS là on nous dit 300 000 haïtiens qui va bénéficier TPS il y a besoin de $500 pour programme ça on nous garde 300 000 multiplié par $500 combien comme la venir. 300 000. OK, on bel cobri. La vini $150 million. Bon, pour États-Unis. Son pétance, son caca.
Mais sauf que, il n'y a pas l'État. Et comme ça, au moins d'Haïtien, je dis à la, tout Haïtien, bon comme ça. Moi, comme ça, au moins d'Haïtien, comme ça, je dis à la, pour tout, clé de bagaille et TPS là, tout Haïtien, bon comme ça, quand on ne va pas la voler. Ou mette Haïtien pas de manger, y a une comme ça quand même. Mette quoi m'zouvle. 300 000 Haïtien y a une comme ça. Avec dit que, c'est 150 millions de dollars américains qui l'a. Clé. Pour, par exemple, si c'est à 500 dollars américains par tête. Ok? Et voilà. Et bandio, dans la commune de Kouadabouke frappé fort. L'amour s'en joue 400 maozo, monsieur boule local DGI Kouadabouke. Boussa local DGI gen avec individu malhonnête ça. Comme si m'dadjo, tenez bien. Qui sont moun aptan pour lancer son drone dans le Kouadabouke pour foutre la mensonge en domicile? Comme si qui ça l'est aptan même? Qui ça nous besoin? N'aptan ni touye plus moun? N'aptan ni. M'a pas de pour. Ou est-ce que ça fait n'est pas jamais changer? Mais m'a dit nous plusieurs raisons qui cause yon n'est pas jamais changer. Pour quantité l'argent, moi chaque nèg armé a exposé, pas de façon pour jamais. Réintégrer dans le système là. Comme si réparer yo, récupérer yo. Au moins, ou capable de dire, yon ti moun qui gen 12 ans, que bandit te prenne dans la rue qui tape si machine, l'État capable d'organiser, reprenne ti moun ça. Mais, faut que l'État ta rassure que, li prenne en charge ti moun ça pendant au moins 8 ans pour sauver la ville. Parce que ti moun ta qui était tellement gâté, les gens qui sont en femme, les gens qui sont en drogue, les gens qui sont en gros cob, les gens qui sont en touye moun, les gens qui sont en boule moun, les gens qui sont toute qualité de bagaille. C'est pour les gens qui sont en cafouille, ils sont en train de se faire comme ça. Ils sont en train de se faire qui pour réparer les gens qui yo. Et ce n'est pas n'importe moun qui pour faire réparation ça. Les gens ne sont pas capables parce que je n'ai pas assez de patience. Elle quand même pas en blague devant midi, mais combien de gens qui sont en train de se faire et moi-même, ou pas me connaître, je ne suis pas en train de se faire de la couche. Ou pas me connaître, non? Ou pas me connaît parce que il a fait une blague là devant l'autre, il a dit mais comment mon quel touye son derrière tout, me fout dans quatre coups de manche oui. Ou on prend ça même là. Et bon, c'est ça, moi j'espère que il y a des monde qui là pour ça, qui capable aider faire réintégration jeune ça dans la société. Mais quand à pour nèg qui gagne 5 ans en gang, 10 ans en gang, 12 ans en gang, 15 ans en gang, 20 ans en gang, 30 ans en gang, ou pas qu'à faire avec eux. Never. Ou pas faire un yon avec yon. Tout ce so capable de faire avec yon. Si fait tout ça qu'on capable pour éradiquer yon. Période. Éradiquer yon total capital. L'éclair. Barbecue prela oui. Kenya nan en Haïti. En pile parole a parlé. Est-ce que et docteur Koni gen une stratégie pour les gérer monsieur Ameyo nous pas connaît est-ce que gon asok pral lancer nan quartier populaire ou ap gen hélicoptère est-ce qu'il y a gen des chars à chaîne k'ap déployer nous pas connaît mais sauf que dans ça qui est pour avec sécurité c'est pas toute bagarre qui obligé pour la rue sauf que ça qui est important haïtien ta remen en Haïti pour partir de l'amour sans jouer exister, vite l'homme, craser 400 marozo, craser village de Dieu, craser Gravine, craser Canaran, craser tout côté qui a fait kidnapping, craser si le soleil net, et puis pour tout le monde, Matissan libre, pour tout le monde passer. Pour le monde, graisser, récupérer, graisser, pour tout le bout de bas avec toute équipe liant, pour le reprendre, graisser. Mariani, tout le monde, Mariani honnête, et puis reprend Mariani, back. Le monde qui a fait vivre dans la paix. Vous mettez le monde qui a dans le temps, hein? Yo mette kafou nan mitan. On police ki nan commune kafou kounya, li oblige bat ba. Li pa ka gade gang nan zye. Parce que devil gade gang nan zye, gang ap sot en bas, ap sot en haut, ap mette kafou nan mitan ou krasi kafou plat. Kafou kote, kote ma pala vola ki la. Se gang yori ki peut-être gonti kras moun toujou la ka yori, ki fe ki yo pa boule kafou net oui. Kafou pa ka resiste. Yo fon fasou mette kafou nan mitan. Et yo di kafou, yo di tout police kafou, depuis nous pa attaque nous pa patakou. Mais pour attaquer nous n'a pas attaquer. Bon Dieu a fait la loi en dedans pays. Voilà. Et nous presque dans date qui va faire 3 ans
assassinat président Jovenel Moïse en dans pays là et il y a pile monde qui m'a dit qui ça va passer dans date ça et m'a dit clairement ça pour passer dans date là sous date pour que tout haïtien du conseil national capable des marchés publics camper et pour nous grand titan silence pour nous prier et pour nous prendre pour nous prendre son pour nous entendre toute intervention que président Jovenel Moïse compte fait. C'est une possibilité pour que vous capable de continuer à mener la bataille. Plus énergie. Les gens qui ont prié, continuent à prier. Les gens qui ont lu mes baleines, continuent à lu mes baleines. Faites tout et exercice. Parce que c'est extrêmement important pour nous faire. Jovenel Moïse, tu as un pile combat que tu as mené. Un pile combat que tu as mené pour garder comment. Pour garder comment tu as aidé. Alors pour garder comment tu as aidé le pays ça. Soti et l'entrou difficile que nèg yo te mette là. Démarche président, pas trivé à abouti jan qu'elle te souhaite là. Nèg yo rive tuer président. Président Jovenel Moïse, tap goumen en pile. Li fait en pile effort. Mais équipe système nan, te wè ça. Les vob, les boulos, les oligarques corrompus, yo assassiné président ça. On est campé! Même si, qu'est-ce l'État, attendez bien, qu'est-ce l'État gagne l'argent? Qu'est-ce l'État gagne l'argent depuis moi arrivé 12 millions? Mais y'a nek sa, ou se diaspora, oui papa, nek tabou yo. Yo kon sa sa vle dit 12 millions dollars américains, hein? Bien. Eh bien, on t'y paye kon sa, depuis 30 ans arrivé, 12 millions. Nous pas poser une question pour qui ça 12 millions? Hein? On va m'en aller? Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça 12 millions? Ah, monsieur intelligent. Monsieur qu'on pour qui ça 12 millions? Ah, nous-mêmes nous dit bon ça nous dit beaucoup. Pour qui ça? 12 millions pour qui ça? Bon. Ça veut dire un pays qui prend un petit groupe monde, un petit groupe monde qui met dans chita, chez là. Si chèque ça en parler à tout nèg pas bon président pas chita souli pour y banque nèg cap bon menti de pour river dou chita là et puis pour dou que compte ça faut pas manger ça. Ça c'est un beau projet président pour le pays parce que le développement de ce pays ne peut pas se faire sans ce projet président français cap parler ou chita sous chèque là peuple là même l'argent peuple là nan men gros nèg bel yacht a acheté quand a acheté Miami Beach quand a acheté Paris quand a acheté Londres attendez. Et puis, vous attendez à chaque grain, vous attendez à fête petite, ou bien fête madame, petit bagouette, pipiti, bon pied diamant sous les bagues avant 10 000 dollars. Mais comment? Sous dos nous. Je dis, c'est la seule décision, ça me fait mon fâché comme ça. C'est celle-là, je dis, je prends 12 millions ça. Mais 12 millions, ce n'est pas 12 millions seulement comme la dé, non? EDH là nous est à tout. Sur l'autre grand manger EDH te, oui. Yo même yo gen 12 millions. EDH gen 8, oui, fait 20, oui. C'est 20 millions de dollars la carotte là te coûte chaque mois, oui. Yes. Faut nous connaître, c'est ça le coûte. 20 millions de dollars par mois. Et dans le budget national là, chaque année, l'argent ça affole là. Depuis un ministre finance, ou pas mettre comme ça dans le budget, m'bon garantie ou job là. Ministre dit hein ou pas dit job là pour quitter même pas ton prince va quitter 20 millions pour pas dans le budget ça veut dire on font un exercice année a gagne 12 mois 20 millions multiplié par 12 fait combien 240 mais monsieur ça on gros l'argent ça 240 millions de dollars chaque année au président fait 5 ans multiplié 240 par 5 On allait. 1,2 milliard de dollars. Un petit groupe vagabond volé, campé dans le pays. Yo gen nan men yo chaque 5 ans. Même. M'a dit non. L'homme décision comme président, je ne sais pas si je suis dit ça, je suis ici, tout le monde connaît ça. Je suis ici à toutes les chaises.
m'a demandé nèg pour porte-prince prêter chaise monsieur. Ça veut dire moi-même l'aime river l'autre bois, m'bon monde qui a un problème à personne. Tout le monde comme ça. M'a un problème couleur, m'a un problème pour me dire rien tel comme qu'il est riche même pauvre. Non, m'a pas de problème à personne. Moi j'ai un problème avec monde qui comprennent l'offre mon dans Jacout peuple là. Ou fouer mon là-dedans m'a coupé ce problème d'amour. Et c'est ça me fait qui fait que je dis à Port de Paix, une centrale électrique tout neuf qui a construit là, qui a 4 moteurs de 2 MW, ça fait 8 MW qui est en bas. C'est ça qui fait centrale ça, li pral construit en tout parce que je pense sur 9 carotes pour le centrale solaire qui accompagne parce que c'est plus gros centrale hybride. On centrale hybride. Centrale ça, li pral marcher et avec soleil et avec diesel. Et elle pral alimenter de en sa voleur jusqu'à Bassin Bleu. Ça veut dire réseau électrique là. Moi, non, je m'en vais aller. Je dis nous qu'il est fini. Moi, je dis nous ça. Je dis à mine là. Je pas venir là pour parler avec nous. L'autre parole. Mine là, m'expliquer nous. Côté nous voyons. Attendez, ça me dit nous bien. Pour nous connaître bien. C'est dans le palais de Lucie. Lucifer. Lucie? Ah bon. Parce que quand même, j'aime bien les mains au bain, là, là. L'ordre au bain. Tis oiseaux, c'est tu, dans des doux. Pas un mien problème. Quand y a, on joue 24 heures. Ou qu'on y a trop avec 3 êtres dans son mains, oui. Parce que, ou qu'on conviction. Ou qu'on compte au sorti, c'est parce que nous sommes dans le temps nous. Nous sommes allés étudier, nous sommes allés étudier dans notre tête gridap. Nous sommes allés, mes petites, qu'est-ce qu'il a? Nous sommes allés, nous avons parlé de rencontrer Tiwowo, nous avons dit Tiwowo comme ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est que vous êtes maman pour moi? La maman mourit, c'est mon lacule qui tue maman. Je dis à mon lacule, je crasse ça. Il va exister encore. C'est ça. Mais qu'on est misère ça yo. M'konn sou route là, l'aim rivé. OK. M'fin jambe pendu. La kil ba o. Lò tourner pour tourner pendu descend. Ou prend entrer des eaux. Ça veut dire ou non situation. Ou président, yo bien gros ministre, et puis son dedans là. Par exemple, ou ka fin bondé, attendez. Ou font budget national. Tendez bien, budget, nous on nous a parlé dit, c'est loi finance pays. C'est là-dedans pour mettre tout l'argent. Pour dire, budget fin écrit. Budget aller dans le Parlement. Tendez bien, exécutif fin voye budget. Parlement voye budget par où tourner. Ou qu'on tout baille bon. Le budget publié dans le journal officiel, le moniteur. Ou te mette 50% taxe par exemple. Sur un produit, ou gade ouais, 50 la tourner 10. Mando qui l'a changé ou pas connaît. Mais gros amis, gros amis. Je dis à peuple là, m'a dit nous ça. Population nord-ouest qui devant nous là. Moun nan ville porte bataille ça a commencé à. Jeunesse là. C'est nan men nous le voilier. Si moun 18 ans, 20 ans, 25 ans qui devant là. Si moun 10 ans. Gardons ces garçons là, c'est dans main nous bataille ça voilier parce que son bataille qui m'a donné pile courage, lui m'a donné dépassement de soi, lui m'a donné tout, lui m'a donné pile sagesse pour pas rahir personne, pour pas gagner contre personne. Parce que si vous commencez à rahir moun, ou commencez à gagner contact moun, ou gagner dans un gros problème bataille alors que dans la jambe gavel. C'est pour ça me dit nous toujours dire il y a des décisions nous embran. Parfois nous demandons pour qui ça. Mais là nous embran yo côté mié a mien raison qui fait embran yo. Décision que embran yo, m'pa konn prendre décision qui n'a avantage pas ni n'a avantage équipe moi ni n'a avantage gouvernement. M'prend des décisions qui n'a avantage ou. Ou gen doit pas ouais qui ça lié jodi a. C'est un coup. Là m'prend décision m'couper une série de contrats courants. Nous songez ça 28 octobre. Voilà. Et...